contradictoire si c'est le bon pays. Les sentiments contradictoires si c'est le bon pays. Ça veut dire que si les sentiments contradictoires, ça veut dire que c'est le bon pays pour vous, ça veut dire que vous sentez que c'est le bon pays, vous sentez que ce pays est bien pour vous. Si vous, en fait, vous avez une sensation, en fait, vous avez une sensation, vous avez en fait un sentiment ou un pressentiment que c'est le bon pays. Si en fait vous avez un pressentiment avant que c'est le bon pays, vous avez un pressentiment, un sentiment, ça veut dire que c'est le bon pays pour vous. Des sentiments mitigés comme la colère ou la joie, des sentiments mitigés ou passés à des sentiments comme ça veut dire que c'est le bon pays pour vous. Vous arrivez dans le pays, ce soit naturel. C'est-à-dire, si c'est naturel pour vous, si vous avez du facilité à rencontrer des gens, ça veut dire que c'est le bon pays pour vous. Si vous, c'est le bon pays, ça veut dire que c'est naturel pour vous. Si c'est, vous sentez que c'est le bon pays, ça veut dire que c'est naturel pour vous, si vous sentez que c'est le bon pays. Si c'est le bon pays, vous sentez la sensation que c'est le pays que vous allez, tout ça. C'est pour ça, en fait, que je trouve que c'est un, c'est la sensation que c'est le bon pays. Ça veut dire que c'est le bon pays pour vous, si vous sentez. Si vous sentez que c'est naturel et que c'est le, vous sentez que c'est naturel, ça veut dire que c'est le bon pays où vous allez. Si vous sentez que vraiment c'est facile à rencontrer des gens, vous êtes vraiment facile, c'est sociable, qu'en fait tout est naturel, c'est-à-dire que toutes les choses tout simples, à faire les courses, c'est naturel, vous avez quand même des difficultés, vous adaptez quand même, parce que quand même il y a une adaptation quand même, faut dire que vous adaptez, qu'il y aura quand même des difficultés, il y aura quand même des soucis, des difficultés, tout ça. Mais si vous sentez personnellement que vous êtes bien et vous savez pas pourquoi vous vous sentez bien, ça veut dire que c'est votre pays. Des activités, que vous vous sentez bien le pays, vous allez tout facilement à trouver des hobbies, des facilités, que vous vous sentez vraiment bien. Si vous trouvez facilement des activités facilement, vous avez la facilité, par exemple, si vous trouvez des hobbies, vous vous ennuyez jamais, vous n'avez pas d'ennui, ça veut dire que c'est le bon pays pour vous, si vous vous ennuyez pas, et vous trouvez toujours des occupations, vous êtes vraiment bien dans le pays, vous vous sentez vraiment intégré, vous projetez vachement, c'est bien une projection très haut du pays, c'est vraiment une bonne projection. Vous projetez, vous pensez en même temps maintenant et que vous vivez vraiment le jour et le jour. Vous vivez maintenant, ça veut dire que pour moi c'est le bon pays pour vous. Une manière de croire aux choses et tout ça. Le fait de croire aux choses, ça fait en fait pour vous, ça veut dire que vous c'est le bon pays pour vous. Ça veut dire que c'est le bon pays parce que vous croyez aux choses, vous croyez ce que vous disiez, vous croyez ce que vous ressentez en fait. Ça veut dire que c'est un bon pays pour vous. Naturellement, vous allez vous projeter sans réellement vraiment le penser. Par exemple, naturellement, vous disiez, ah oui, je vais faire ça, je vais me projeter, je vais le faire. Vous pensez beaucoup à maintenant et vous vivez au jour les choses. Vous ne vivez pas justement. Et ça aussi. Et voilà. Pensez naturel des choses du pays. Que vous avez une pensée naturelle et que certainement vous pensez du pays. En fait, même sans papier ni rien, vous vous sentez bien dans le pays. Vous vous sentez naturellement chez vous. Que personne ne peut vous empêcher d'aimer ce pays parce que votre cœur, en fait, il bat très fort. Vous pouvez être, vous pouvez avoir des papiers, vous avez une situation, vous pouvez demander toute situation, vous obtenez tout, tout ce qui est peut-être, tout ce qui vous respecte vous-même, tout ce qui peut vous respecter, ça veut dire que c'est le bon pays pour vous en fait. Vous ne sentez pas frustré, vous ne sentez pas genre mal, frustré, triste, angoissé ou malheureux. Je dis bien tout le temps, je dis bien il y aura quand même des périodes où vous vous sentez mal. Si vous vous sentez bien, ça veut dire que c'est le bon pays pour vous. Qu'il faut émigrer dans ce pays-là et qu'il faut partir. Si vous arrivez à surmonter tous vos problèmes, si vous arrivez à surmonter tous les problèmes, tous les passages difficiles, et même à décider de revenir dans votre pays si jamais il y a un problème pour revenir, ça veut dire que vous êtes capable de ne jamais abandonner. Si vous êtes capable de jamais abandonner, c'est que c'est le bon pays pour vous. Si vous n'abandonnez jamais, c'est-à-dire que vous n'abandonnez jamais, et vous n'abandonnez jamais, c'est-à-dire même les difficultés, même chose la plus insurmontable de passer au bas du niveau, vous l'acceptez. C'est-à-dire que c'est le pays pour vous. C'est le pays que vous adorez, ça veut dire que c'est bon pour vous, vous voyez? Et à bientôt. Du coup, cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur mon Twitter parce que c'est une déjà vidéo déjà faite, du coup. Elle a beaucoup plus, cette vidéo-là, actuellement sur YouTube, elle est beaucoup plus. Alors abonnez-vous sur mon Twitter qui s'appelle Pacifique et sur, mettez la petite cloche s'il vous plaît, mettez ça en commentaire s'il vous plaît. Voilà, parce que cette vidéo est aussi sur Twitter. Voilà. Et à bientôt.